this first part of our incredibly exciting evening is going to be in two languages. It will mean it will go a little slow, but please, can we all be patient while I'm going to be asking Stefan to tell us all about his work. Ion. Yes. Alors, on va débuter. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. On va avoir donc des questions-réponses en anglais et en français. Donc, ça risque d'être un peu long. Donc, on vous remercie de votre patience. On va voir comment ça fonctionne. On va essayer de faire au mieux dans tous les cas. And can you suggest that they use the view setting yes. of speaker? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, si vous cliquez en haut à droite sur affichage, vous avez la possibilité de cliquer sur affichage intervenant, ce qui sera peut-être mieux pour cette session-là, auquel cas vous ne verrez que les personnes qui prennent la parole, plutôt que la mosaïque. Bon, après, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le souhaitez. And because I understood all that, I'll translate it immediately into English for the English pilgrims. Please click on the view in the top right-hand corner and click on speaker view, because then you'll be able to, there's too many screens and you'll be able to see who is chatting. Thank you, Guillaume. So, where is Stefan? Here. Excellent. Hi, Stefan. Good evening. Thank you so much for giving up your time and joining us. And I'm just going to try and find out a little bit about your professional life in France. Hi, everybody. First, thank you very much for inviting me. And I'm very pleased to meet you, to join this project, and to learn more about this project. So my life in France. You need to explain that in French. Yes, of course. Thank you for reminding me. Je disais donc bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir dans ce projet. Et je suis très heureux de faire la connaissance de tout le monde et de découvrir ce projet un petit peu avec vous, puisque moi, j'ai été contacté par Coral Events il y a deux, trois semaines environ, pour parler de ce projet. Donc, Bob m'a demandé de parler un petit peu de ma vie professionnelle. Do you mean my professional life now or as usual? In COVID time or not? I think a little of both. OK. Donc, je vais parler de ma vie professionnelle un petit peu dans les deux cas, c'est-à-dire en période de COVID et en période normale. Donc, en période normale, j'ai deux chœurs permanents. Normally, I have two permanent choirs, un chœur de chambre basé sur Nice et le chœur de la paroisse de Cannes. A chamber choir based in Nice and the choir of the parish of Cannes, where I am chapel master. And these are my two permanent choirs. Ceci sont mes deux chœurs permanents que je vois toutes les semaines, that I can meet every week. Every week. And after that, I am a freelance conductor and I have a lot of different projects. À côté de ça, je travaille en freelance et j'ai un certain nombre de projets qui se greffent par-dessus. Different projects, for example, I have a project choir, which is called Compagnie Madame Croche. J'ai un chœur qui fonctionne au projet qui s'appelle la Compagnie Madame Croche. And sometimes during the year, we are planning a series of concerts and then we are doing rehearsals for 1 month before the concerts, and we are doing five or six concerts. And after, we are resting for until the next project. Donc, le cœur de Madame Croche, c'est un cœur qui fonctionne au projet, c'est-à-dire qu'on se réunit quand on prévoit une série de concerts, 5-6 concerts, et puis on se réunit un mois ou deux avant pour faire une série de répétitions, et ensuite on se met en veille jusqu'au prochain projet. And also, I'm working with schools. I'm working with children choirs in schools, in primary schools, and also in high schools. Where I have projects with in collaboration with the regional orchestra, and j'ai aussi donc des interventions en milieu scolaire, en école primaire ou dans des lycées, pour des projets en collaboration notamment avec l'orchestre régional de Cannes, and sometimes children choirs in Monaco for projects in collaboration with the Ballet of Monte Carlo,
Parfois des chœurs d'enfants aussi à Monaco pour des projets avec les ballets de Monte Carlo. This is my usual life. But Can I ask you, your two main choirs, are they large, small, are they mixed? So three questions, the size, the combination of voices, and is it by, four questions, is it by audition or not, or free entry, and do they read or learn by ear? Yeah. Okay. Bob m'a posé une question par rapport aux deux chœurs permanents que j'ai, savoir un petit peu comment ils fonctionnaient. Donc, these choirs are very different. The chamber choir I have in Nice is an independent choir, and there is 22 persons in it. Le chœur à Nice, la Sestina, est un chœur indépendant, formé en association, qui contient 22 choristes. And there is an audition to come in the choir. And the interest for the people to sing in that choir is that it is a small choir. So usually we are taking someone in the choir when someone is leaving the choir. L'intérêt pour les gens qui chantent à la Sestina, c'est de chanter dans un petit chœur. Donc habituellement, on prend quelqu'un lorsque quelqu'un s'en va, pour ne pas grossir indéfiniment. Just to not grow indefinitely. Mm. And this is an audition choir, c'est-à-dire il faut une audition pour rentrer. And as it is an independent choir, we are doing every project that we would like to do. So sometimes we are singing baroque music, sometimes contemporary music, sometimes we are sharing projects with dancers or with specializations of the choir in the space, in the room. Donc avec ce chœur, je suis totalement libre de faire les projets que souhaite faire le chœur. Donc on peut aussi bien faire de la musique baroque que contemporaine, ou des projets en collaboration avec des danseurs, ou de la mise en espace. And on the contrary, the parish choir in Cannes is about 35 people. Le chœur de la paroisse à Cannes contient environ 35 personnes. And here we have an obligation of rendement in English. Guillaume? Okay, doesn't matter. We have an obligation to, we are singing services every week. Ah. Donc on a obligation, on chante toutes les semaines à la messe. We are singing in polyphony and masses. Sacred music just for the choirs, for example, masses by Mozart or more contemporary composers such as John Levitt or John Rutter. We sing a lot of English music because you have a lot of very useful composers. a long tradition, yeah. On chante pas mal de musique anglaise en fait pendant les messes. And this choir is doing perhaps more public representations than rehearsals, because we have just one rehearsal a week, but sometimes we have to sing two masses in the weekend. C'est un chœur qui fait finalement plus de prestations publiques que de répétitions, parce que voilà, on a une cinquantaine de, on a à peu près 45 répétitions chaque année pour 55 ou 60 prestations publiques. We have about 45 rehearsals in the year for about 55 or 60 public prestations. And so the particularity of this choir is that we have to learn quickly. And not everybody can read music, but after each rehearsal, I can record anything that a member would need to work at home. Dans ce chœur, on a besoin d'un rythme de travail qui est assez soutenu, mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la musique. Donc après chaque répétition, je prends le temps qu'il faut pour proposer des enregistrements à ceux qui en ont besoin afin qu'ils puissent travailler à la maison. And both of them are mixed choirs. Okay, fantastic. So let's come to composition a little later.
because now everything in life has changed. In England, we have tried to make small steps to come back to singing together with distance, and then so one moment the government say yes, the next week the government say no, so it's been very difficult. Yes, we have. Yes, Bob dit qu'en Angleterre, ils ont essayé de reprendre un peu des répétitions comme ils peuvent, mais que c'est compliqué parce qu'une semaine le gouvernement dit oui, une semaine le gouvernement dit non. C'est un peu pareil en France. It's a little bit the same in France. And I've just posted yesterday, I think, a funny video on my Facebook page about that. It's someone just calling his pupil and, okay, let's rehearse next week. Oh, no, I just got news information. Now there is a fire cover. What's the name for that? Okay, we need to change the hour. Curfew. A curfew. There is curfew. A curfew. We need to change the hour. And the day after, oh, no, there is another news. We need to change the day now. And so... je disais que c'est un peu la même chose en France, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai posté une petite vidéo amusante sur ma page Facebook hier ou avant-hier de quelqu'un qui fait un petit sketch là-dessus sur les changements incessants du gouvernement. So in France, with my main choirs, we tried to maintain the rehearsals and to get around all the constraints, the strains. Yes. Yeah, constraints. Ok. J'ai essayé de maintenir les répétitions avec mes deux groupes tant bien que mal, en essayant de contourner plus ou moins les... Enfin, contourner. De faire avec les réglementations. And for example, with the church choir, we are rehearsing each week, but the planning is changing every 3 weeks. And I have to call everybody each time to say, okay, now we cannot rehearse in the evening, so we have to rehearse in the afternoon. But as nobody cannot be there, we are rehearsing on Wednesday this week and Saturday the next week. Par exemple, avec mon chœur paroissial, le planning, il n'y a plus de planning, en fait. On s'adapte au jour le jour. Donc, comme on ne peut plus répéter en ce moment le soir, on répète l'après-midi. Mais comme tout le monde ne peut pas être là en répétition les après-midi, on répète une semaine le mercredi, puis la semaine suivante le samedi. Et puis, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse assister à une répétition, parfois un matin, parfois un après-midi. And with the chamber choir, we are rehearsing also not more regularly. We are planning a date and then maybe 2 weeks after another date. And we are changing the place of the rehearsals also. Avec la Sestina, pareil, on s'adapte, on va répéter une fois chez l'un, une fois chez l'autre, on change de lieu à chaque répétition et de date également. Because usually we are used to rehearse on Tuesday evening. But now we are rehearsing on Saturday or on Sunday. Habituellement, on répète le mardi soir. Maintenant, on répète le samedi ou le dimanche en fonction des possibilités de chacun. So, for the moment, Doodle is my big friend. À l'heure actuelle, le site internet Doodle est mon grand ami. Et c'est grâce à ça qu'on peut arriver à maintenir les répétitions. Et les répétitions, on les fait avec le masque et la distanciation. We are rehearsing with the mask and also distance between people because in August I've been part of a cluster with one of my choirs. We were rehearsing for the service of the Assumption on the 15th of August. Au mois d'août, j'ai fait partie d'un petit cluster COVID avec le chœur de la paroisse de Cannes, justement. On répétait pour les offices du 15 août. We were 12 in the rehearsal room that normally can contain 40 people, and we were at least 2 meters each one from the other, and we had the 6 windows opened, and despite that, but we didn't wear the mask at this time, and on 12 people at the rehearsal, 8 of us got the COVID with symptoms. Donc sur les 12 personnes présentes à cette répétition, on était plus ou moins à 2 mètres les uns des autres, on avait toutes les fenêtres, 6 fenêtres qui étaient ouvertes dans une salle qui peut contenir normalement 40 personnes. Et sur les 12 personnes présentes, on a été 8 à attraper la COVID.
Heureusement, ça s'est bien passé pour tout le monde. Fortunately, nobody gets badly sick. As far as I'm concerned, I got symptoms for about 2 weeks, but I've been breathless for maybe 2 months. En ce qui me concerne, j'ai eu des symptômes pendant à peu près 2 semaines, et puis par contre, j'ai ressenti un essoufflement pendant environ 2 mois. And in September, it was difficult to decide what we are doing to do, if we are maintaining rehearsals, if what we are. And so I've asked to every people in the choir to decide if we wanted to continue with the mask and distanciation, or if the people preferred to stay at home. Donc en septembre, pour reprendre, j'ai demandé à chacun de se positionner, est-ce qu'il préférait rester à la maison ou est-ce qu'éventuellement revenir en répétition avec le masque et de la distance, enfin avec ce qu'il fallait pour. Après, si quelqu'un ne voulait pas porter le masque mais qui se tenait à 10 mètres des autres, pourquoi pas. And so, there are half in both choirs, I didn't see half of the choir since last March. Dans les deux chœurs, il y a à peu près la moitié du chœur que je n'ai pas revu depuis le mois de mars. And with the other half, we could maintain some rehearsals and try to perform. With the church choir, we are still performing every week, but with the chamber choir, we planned a concert for Christmas, but it's still not be done at this date. Avec le chœur de la paroisse, on a continué à chanter la messe quasiment tous les week-ends, hors confinement. Par contre, avec la Sétina, on avait planifié un concert de Noël avec les 10 volontaires, mais pour l'instant, il n'a toujours pas eu lieu. J'espère qu'il aura peut-être lieu dans 2 semaines, and I hope we can do the Christmas concert in 2 weeks. Well, it sounds very much like the same in England. There's the one thing that we know is uncertainty. Yes. Donc Bob dit que ça ressemble très fort à ce qui se passe actuellement en Angleterre et que finalement le seul maître mot qu'ils ont c'est que tout est incertain. So we have created this online project. Now for some people the sensation of singing in a choir is unique and it can't be replaced. But as I think Phil said in one interview sometime, he finds it 60-70% of the musical experience. Guillaume, you want to come in? Yeah, I mean. Donc oui, Bob disait que effectivement le Camino n'est pas un projet qui a pour but de remplacer à 100% le fait de chanter. Hein, on n'est vraiment pas sur ces proportions-là. Par contre, il disait que si vous aviez vu la vidéo de promotion du projet, on avait fait intervenir Rick qui lui disait que bah, c'était pour lui 70% du plaisir de chanter. Donc on n'a pas pour but de vraiment retranscrire à 100% le fait que vous soyez dans une chorale et que vous puissiez rencontrer des gens, mais malgré tout c'est un projet qui existe parallèle et qui peut vous aider à continuer de chanter et de rencontrer des gens également. One of the advantages for me in the online world is that it's possible to differentiate between singers of very wide experience levels. Alors, l'un des avantages qu'il voit au projet Camino et donc en ligne, c'est que en fait ça favorise donc les échanges et puis ça permet de diminuer les écarts qu'il peut y avoir entre les niveaux. In a normal rehearsal, Stefan, I think I'm sure you'll agree, there will always be some singers who need very little rehearsal time, and some singers who need a lot of time. Not because of quality, but because of experience. Of course. Bob dit que dans une répétition de chœur, il y a plein de niveaux différents, que certains choristes ont une grande expérience et ont besoin de peu de répétitions, et que d'autres, par contre, ont besoin de beaucoup plus de temps de répétition. Donc avec le projet, vous pouvez... Voilà, le projet s'adapte, entre guillemets, et donc vous pouvez venir et passer autant de temps que vous le souhaitez sur le Exactement. Projet. Exactement. Yeah, so we produce
tools, aids for learning. And if you are very experienced, you need it very little. If you're very inexperienced, you can use it every day for a month to bring the level up for everybody. Ok, donc le Camino en fait va vous fournir des supports, donc de formation, des ressources. Et donc certains vont trouver ça utile et vont passer énormément de temps parce qu'ils en ont besoin, donc ils pourront travailler dessus tous les jours, c'est à la demande. Et puis d'autres qui sont un petit peu plus expérimentés pourront travailler un petit peu moins ou travailler plus certaines choses. Voilà. So at the moment, we each step for us lasts 4 weeks, and at the moment we are halfway through step number 6. Alors, chaque étape, vous l'aurez compris, c'est un mois. Donc là, aujourd'hui, on en est à la 6e étape. Donc là, on est à la moitié de la 6e étape et on va attaquer la 7e début février, donc le 7 février. So this, we have been studying the movements from Vivaldi Gloria for 2 weeks now. And this week is when the pilgrims will be recording an audio recording and separately a video recording. Donc là, sur l'étape 6, donc les pèlerins, c'est comme ça qu'ils les appellent, donc les chanteurs qui participent au Camino ont travaillé sur l'œuvre de Vivaldi Gloria. Donc là, ils attaquent la 3e semaine et la 3e semaine, elle est consacrée à l'enregistrement audio et séparément un enregistrement vidéo qui seront après envoyés à Bob et Matt et qui, eux, ben, feront la compilation. Que vous verrez ben, la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent. I heard you use the word pèlerin. Pèlerin, yes. And it's an important concept in what we're creating here because for a pilgrimage, the journey is far more important than the arrival. Donc il utilise le mot pèlerin parce que pour lui c'est un séjour et pour lui le chemin est plus important que l'arrivée, en fait. Donc, vous allez apprendre, on va utiliser le mot ficelle ou pèlerinage. Donc, vous allez apprendre autour du chemin pour arriver à un résultat qui, j'espère, vous conviendra. So, in 2 weeks' time, we will have produced the recording with video and audio of the Vivaldi. And we invite all our French friends to come. The date is January the 30th. And they will receive an invitation from Guillaume, and we hope to see them again then. Alors, comme il le disait tout à l'heure, donc on va pouvoir assister à la restitution du Vivaldi Gloria, donc qui aura lieu le 30 janvier. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à me contacter et puis je vous enverrai le lien pour vous connecter. Alors, pour le coup, il sera en anglais. Alors, je ne sais pas encore comment on va faire. Si j'ai beaucoup de français, je ne sais pas encore comment. On n'a pas encore réfléchi à la question, de sorte à ce que vous puissiez comprendre. Mais dans tous les cas, voilà, ce sera le 30 janvier. And I'm just happy that you didn't join us on step 5 because we sang Berlioz. And we sang it in English. Il disait que c'est dommage qu'on n'ait pas lancé le projet avant parce que l'étape 5, donc au mois de décembre, c'était sur Berlioz. Je m'excuse. En anglais. Il s'excuse. Okay, so look, I think that next we're going to split up. So with the magic of Zoom, we're going to create some rooms with small numbers of French visitors, and each one will have an English pilgrim who with French language, and some other rooms for the English pilgrims because they like to spend time together with all the new friends they have made in the pilgrimage. OK. Alors maintenant, on va passer sur l'étape où on va créer des petits groupes. Donc, il va y avoir des petits groupes avec des francophones. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir la chance d'avoir un pèlerin anglais qui donc, parle français et avec qui vous allez pouvoir échanger. Et de l'autre côté, Bob va mettre dans une salle une salle en ligne tous les anglophones parce que bah, du coup ils aiment bien, c'est aussi ça l'essence du projet, c'est de se retrouver, socialiser, discuter avec les personnes qui rencontrent toutes les semaines et avec qui ils discutent autour de la musique. Donc là vous n'avez rien à faire, Bob va créer les groupes et vous allez vous retrouver automatiquement dans des petites sections et puis après on reviendra tous ensemble. Enjoy. Enjoy. Okay, fantastic. Welcome back. In a moment we'll make some questions and a discussion a little, but first we'd like to show you our recording of Berlioz.
Ok, donc on va participer à une session de questions-réponses et puis on va également regarder une vidéo de Berlioz. Thank you, Matt. I hope you enjoyed that. I know that the English guys never fail to want to enjoy it again. Every time we hear it, we love it. En espérant que vous ayez apprécié, il dit que ben, les Anglais, ils échouent jamais dans le fait d'aimer cette vidéo et d'aimer se produire.
So, Guillaume, now we can have 10 minutes of questions. We need to be a little disciplined because we have so many people. So maybe a hand wave will indicate, and then you and I can look at the screens and find the people to unmute. OK. Donc maintenant, on va passer dans une session de questions-réponses. Donc on essaye d'être un petit peu discipliné parce qu'on est nombreux. Ceux qui souhaitent prendre la parole et poser une question, levez la main, on va essayer de vous voir et de prendre votre question. Voilà, donc on est parti. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il reste en suspens. Oui, j'ai Rodolphe Souber que je vois. Warlet. On ne vous entend pas par contre, si vous pouvez mettre le micro. Il faut activer le micro. Voilà. Yes, on vous entend. Allez. Et voilà. Je m'appelle Arlette. Arlette Hubert. Bonsoir. Alors, ça me plaît beaucoup, mais j'ai un problème avec l'anglais. C'est-à-dire que vous chantez le Gloria en anglais. Pourquoi ne chantez-vous pas en latin? OK. So, I'll translate. So, she's interested by the project, but she got a trouble because she doesn't speak English, and the songs are sung in English and not in Latin. No. Why that? No, it's in Latin. This song, that one, the Berlioz, was in English because it is a very traditional song at Christmas in England. Okay. In English. The next one we're doing is Gloria, Latin. Okay. Et in terra pax, Latin. This is the current step. The next step, we are doing the Allegri, which is a setting of the Kyrie. So all of the Latin text will be familiar to regular choir singers, I think. Okay. Donc là il disait qu'en fait, sur la précédente étape, il l'aurait fait en anglais parce que c'était une chanson traditionnelle en anglais, mais que sur les étapes à venir, ça allait être en latin. Donc l'exemple de Vivaldi Gloria, etc., et de Albinoni Adagio qui seront en latin. Donc a priori, pas d'inquiétude là-dessus. Merci. Est-ce qu'on chante très souvent en anglais? Parce que moi, c'est mon problème. A priori, non, du coup. Du coup, là, c'était... alors, je vais lui poser la question. Do you plan to sing in English some pieces later, or all the pieces will be in Latin? We have no plans past step 7, currently. OK. Donc, il dit qu'en fait, il a pas encore planifié les étapes d'après. Mais bon, je parle à sa place. Je suppose que si on a beaucoup de francophones, on prendra le parti de proposer des œuvres en latin pour favoriser tout le monde. If you saw the chat box, Ian just reminded us that we sang Brahms in German. Okay. But surely I think it's logical that the majority of choral repertoire is in Latin. Voilà. Bah, ça rejoint ce que je disais. Il disait que la majorité des répertoires allaient être en latin et qu'on s'adapterait en fonction du nombre. Et précédemment, il disait qu'il y a eu une étape qui avait été chantée en allemand. Mais c'était une fois. L'allemand. D'accord. Eh ben voilà. Attention. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suppose qu'on va faire un autre projet maintenant. On attend, nous. Ah ben oui. Donc la prochaine étape, ce sera l'étape 7 qui commencera le 7 février. Mais je vous enverrai toutes ces informations, comment voilà. S'inscrire, le planning, etc. La semaine prochaine, si tout va bien. OK. Je vous remercie. Merci. Voilà. Merci. Merci Rudolf. I think Maristella had a hand. Yes. Alors Maristella. I'm afraid that my question is a repetition of what we just heard. I wanted to have a more clear idea as to the calendar, but in any case, for the time being, two or three times a week for me is very much. And the fact that in less than a month's time, one must produce a recording of the work, then that even makes things even more complicated. But I don't know, maybe in the subsequent phase or at a later stage, I don't know, it remains to be seen. But I think you did a marvelous job.
Guillaume. Okay. Would you like me to translate, Guillaume? Yeah, let's go. Donc Maristella disait que pour elle, chanter deux ou trois fois par semaine, c'était bien, mais peut-être ça peut être un peu trop des fois. Donc on verra selon l'utilité. Après, je réponds un petit peu à sa question. Pour ceux qui souhaiteraient chanter un petit peu moins, c'est-à-dire accorder un peu moins de temps au projet, vous pourrez le faire. Tout le contenu sera à la demande. Donc voilà, vous adapterez votre emploi du temps en fonction. Et si vous voulez participer à tous les événements, vous pourrez le faire parce que tout sera en direct et retransmis après. Donc c'est vraiment adapté à vos envies, vos besoins et votre emploi du temps. It's like a menu. There's the main dishes, and then there are the extras. Exactement. But it's important, Guillaume, to say that all the main activities, the rehearsals and so on, are all available the following day on demand, and we will be producing those with subtitles. Yes. So if you have a very busy schedule, you can see them in your own time. Mm-hmm. Okay. Il disait que tous les événements seront disponibles à la demande dès le lendemain et avec des sous-titres. Donc du coup, voilà, vous ne perdez pas forcément beaucoup de temps si vous n'avez pas eu l'opportunité d'assister à la répétition, par exemple, de la veille. Voilà. Any more hands waving? Oui. Alors, j'en ai deux. Alors, j'ai Dominique et j'ai Rose. Donc, on prend Dominique et après Rose. Peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vues. Hello. Dominique first. Dominique first. Yeah. Dominique, il faut activer le micro. Yes. Merci. C'est juste pour dire que moi, j'ai un anglais très scolaire. Et okay. Je voulais remercier Bob parce qu'il parle lentement avec un anglais que je qualifierais de académique et j'arrive à suivre, à 70-80% et je voulais juste le remercier. Super. Bob, you got it? Yeah, thank you. She's thanking you because you speak really good English. I mean, academic one, and she can understand like 70% of your words. So she wants to thank you for that. Ah, c'est du plaisir. Rose, yes, Rose has a question. Hello to everyone. I can't speak French. My apology. Okay. My question is the music from the common people, folk songs. To what extent it is improvisation? I didn't get the question, actually. Can you repeat the folk songs? You know, the folk songs that yep. The folk songs that people sing all over the world. Mm-hmm. To what extent do you think they are improvisations from the common people? That's a question for Stefan, I think. Yeah. I'm sorry, I'm not the artistic one. Stefan will answer. Did you understand, Stefan? No, can you repeat? Rose is asking about folk songs in the whole world. Yeah. So she's hoping you have expertise in everything. And if you think that the folk songs are improvised, what is the relationship of improvisation within folk songs? Is that okay, Rose? Yes, perfect. Yeah. Well, by definition, a folk song is... an old song that is going through the times by memory. And there is a transmission. But of course, this transmission is not exactly the same. And so I think for every folk song, there is nothing is formally written. So people that sing folk songs should take the liberty to improvise and to change it. It's not classical music. Excellent. So to my mind, when you are performing a folk song, you should be free. You should feel free to make music first, not to respect exactly the text, the score you have under your eyes. Thank you. Very, very. Tu peux traduire en français, Stéphane? Oui, pardon.
Elle me demandait si quelle était la part d'improvisation dans les chansons traditionnelles. Et je disais que par définition, tout ce qui est chansons traditionnelles, ce sont des chansons qui sont transmises par l'oralité depuis des temps immémoriaux. Et forcément, c'est transmission, qui dit transmission orale dit transformation aussi dans le temps, en passant d'une oreille à l'autre. Et je pense que quand on interprète une chanson traditionnelle, on doit vraiment prendre la liberté de changer la partition qu'on a sous les yeux, parce que la notation qu'on a n'est qu'une notation parmi d'autres, et que ce n'est pas de la musique classique. Donc parfois, en tant que musicien, il faut se sentir libre d'interpréter la partition et de changer ce qu'on a sous les yeux. And I see that Eileen has a question. And Eileen could ask the question in both languages, please. Yes. Question, c'est pour Stéphane. Question for Stéphane. Vous êtes compositeur aussi que chef, ainsi que chef de chœur. You're both a composer and as well as a conductor. Indeed, I am. J'ai écouté avec plaisir le Gloria de votre Missa en Simplicitate. Et j'aime beaucoup les rimes, presque jazz, des Alléluia. I just explained, I've just listened to his Gloria. Very different from the Verdi, tout différent du Verdi, with many jazz rhythms. Ma question pour Stéphane, vous avez écrit les rythmes, que le rythme exprime le rythme de la vie. You've written somewhere, I saw, that rhythm expresses the rhythm of life. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? What do you mean by that? Our entire life is regulated by the time. And notre vie entière est régie par le temps qui passe. And the time is the support of the rhythm in music. En musique, le temps est le support du rythme. And so the rhythm of the score is the most expressive thing of the emotion and of the life of the music. Et du coup, le rythme d'une musique est la partie la plus expressive de sa vie intrinsèque, enfin et des sentiments que dégage la musique. And something, the rhythm of music, depending to the rhythm of the music, you will find the music boring, are interesting, are enjoying. En fonction du rythme de la musique, vous la trouverez intéressante ou ennuyeuse ou enthousiasmante, pleine de joie. And that's why I try to make attention on the rhythm in my music. J'essaie de faire très attention au rythme de ma musique. For it is always renewed, and pour que ce soit toujours renouvelé. And I feel myself a deep rhythm in my soul. Je sens moi-même un profond rythme, on va dire, dans mon âme. Et c'est vrai que each of us have a heartbeat. Chacun de nous, on a un cœur qui bat. And this is the basic of the rhythm. Et c'est la base du rythme. And that's why in my music, I try to not my music with my brain, but with my heart first. C'est pour ça que dans ma musique, j'essaie de faire de la musique quand j'écris, quand je compose, non pas avec ma tête, mais d'abord avec mon cœur. With the feelings and the rhythm of my heart, avec les sentiments et le rythme de mon cœur. Excellent, thank you. Great question, Eileen, because that leads us in nicely. I think this has been a fantastic evening. I thank everybody for coming. I suspect we could go on talking for a long time, but the plan now is to listen to the Gloria of Stéphane for everybody, and after that we will go into small rooms, but at random. So you will be with some other singing enthusiast, French, English,
Canadian, Belgium, we don't know. It'll be completely mixed, and you can stay there as long as you wish or go. It's your choice. It's open for you. Sorry, Graham, it's a very long one. Yeah, I'll try my best. Okay. Donc, du coup, il voulait remercier tout le monde d'avoir assisté à cette présentation. Il disait qu'en fait, on pourrait rester là et parler des heures, mais voilà, on a des emplois du temps à respecter. Donc, ce qu'il vous propose, c'est d'écouter, comme on le disait tout à l'heure, un petit extrait de ce que propose Stéphane. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, on va vous mettre dans des petites sections. Donc avec des Anglais, des francophones aussi. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez y assister. Vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Et puis, bah, si vous devez faire autre chose, eh ben, pas de souci. On essaiera de se retrouver la prochaine fois pour ceux qui le souhaitent. Et moi, je précise que du coup, dès que j'en sais un peu plus, on va avancer sur le projet avec Bob, Matt et Stéphane cette semaine. Je vous enverrai des infos complémentaires la semaine prochaine. Et je vous remercie également de votre présence. Excellent, thank you. A good this way is to a finish. Short part to a mass that you can find on YouTube and on my website also. I guess you will have some subscribers tonight. Some more. Okay, thank you. So now you disappear and we say good night. Bah, merci à tous. Voilà, on va créer les groupes. Pour ceux qui veulent rester, vous restez. Sinon, bah, bonne soirée à tous et merci encore. Bonne soirée. Awesome. Thank you, Titian. Thank you.